on aurait pu faire 40 pages dessus. Oui, oui, oui. Donc, so d'éditer ça et de dire juste l'essentiel, ça c'était un challenge. Parce que oui, on pouvait continuer. Des pages et des pages. You want to, Robert, you want to say anything? Sophie, what got you into the fighters? What? How did you first discover the fighters? Yeah, yes. Yeah. This is a particular thing of Sophie, the Chechen fighter warrior, so she might want to talk about that. En français ou en anglais? En français. En français. Non, c'est que j'ai eu le Covid en novembre, là, et j'avais mes enfants avec moi pendant 17 jours à la maison. Plus deux chiens, donc c'était pas du tout un truc reposant, quoi. Et je suis tombée sur un boxeur de MMA tchétchène. J'ai fait une fixette sur lui là. Et j'ai commencé à me dessiner dans mon carnet, devenir un peu obsédé. Puis après j'ai découvert les autres boxeurs de MMA tchétchène et dagestanais. Et je trouvais qu'ils avaient une qualité dans les yeux, dans le regard. Le regard, c'est un peu comme des guerriers médiévaux. On voit plus trop dans le monde occidental. Bon après ils vivent évidemment en Tchétchénie, c'est pas cool. Hein. Évidemment, c'est pas que c'est super. Muslims hardcore, tout ça, mais ils ont quelque chose de fort et spécial et de beau dans les yeux. Que moi, ça m'a, j'ai fait une grosse fixette sur ça. J'écoutais même la musique tchétchène en peignant et tout ça. J'étais à fond. Mais ils font du cheval en claquette, en survêt, et ça, ils sont, c'est kitsch quoi, c'est vraiment kitsch. Et voilà.